Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission Actualité de Kinshasa, Mbote Nabino, merci encore une fois de nous accueillir chez vous. Aujourd'hui, nous n'avons que deux points que nous allons voir avec vous. Le premier, c'est le pardon de l'abbé Ntshole. Vous savez que la SENCO récemment a été rencontrée le chef de l'État et a demandé qu'on puisse redémarrer sur des nouvelles bases. Alors, nous vous mettrons ces images parce que ça correspond à cette campagne dans laquelle nous avions décidé depuis plusieurs mois de nous battre pour la vérité, pour vous montrer là où se trouvait la vérité, là où se trouvait la justice. Et la justice était de notre côté. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons pu obtenir le pardon de l'abbé Ntshole. En deuxième point, nous verrons avec vous Makambu Oyo et Tali Willy Bakonga parce que aujourd'hui nous avons constaté que le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi est seul et personne dans son entourage n'est là pour l'aider. Alors que il y a plusieurs choses qu'on peut faire pour redresser la justice, pour que les choses puissent changer, pour le changement de mentalité. Awa Nambo Kanabiso. Alors peut-être avant de commencer notre courte émission. Pona bande konabiso qui aime nos émissions AK243 et qui ne savent peut-être pas comment nous retrouver, Totilibino vidéo, ils ont expliqué comment faire pour vous abonner à notre chaîne Bolanda. Chers compatriotes, vous n'êtes peut-être pas encore membre de la grande famille de tous les abonnés de RDC Source Info, pas de panique. Il n'est pas trop tard, je vous invite à appuyer sur le bouton abonner. Appuyez également sur le bouton notification. Ça vous permettra, lorsque une de nos émissions sera mise en ligne, vous serez directement informé par YouTube. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime. Ça nous donnera une bonne cotation auprès de YouTube et ça rendra nos émissions plus visibles auprès de nos autres compatriotes. Donc, je répète, nous avons trois actions à faire. Le premier, abonnez-vous. Deuxièmement, appuyez sur le bouton notification et troisièmement, appuyez sur le bouton j'aime. Ainsi, vous ferez partie de ceux qui encouragent et soutiennent RDC Source Info et vous nous encouragez à continuer à vous informer. Voilà Bandeko, alors ici, Toleki directement, na premier point, Nabiso, Eza, pardon, Oyo, Ya Abbé Ntshole. Vous savez que depuis plusieurs mois, nous n'avons cessé de critiquer la SENCO, nous avons critiqué l'Église catholique, nous vous avons dit que l'Église catholique devait être au milieu du village, ne devait pas être parti pris dans les négociations et dans le jeu politique ici au Congo. Mais l'Église catholique a déçu plus d'un, a déçu ses fidèles par le comportement qu'elle a eu. Et nous vous avons dénoncé, nous avons dit ici que l'Église devait dire la vérité et malheureusement, nous avons vu que les hommes de l'Église étaient les premiers à manipuler, à mentir. C'est ainsi que vous avez vu que depuis 2018, comme nous vous disions chaque fois, tout avait commencé avec l'affaire des 40 000 smartphones que M. Abbé Ntshole était en train d'affirmer qu'il avait reçu dans un call center. Alors essayez de vous imaginer un call center qui offre 40 000 smartphones à M. Abbé Ntshole et ces 40 000 smartphones jusqu'aujourd'hui. On ne les a jamais vus. Monsieur Abbé Ntshole a participé, comme je vous avais dit, à donner cette sale image de l'Église catholique parce qu'ils étaient tous au service de Monsieur Moïse Katumbi, le candidat Moïse Katumbi, dont ils avaient décidé de soutenir pour les élections de 2023. Ici, comme nous vous avions dit, les démarches qu'ils ont entreprises à l'étranger les ont discréditées. Les démarches qu'ils ont faites auprès de la communauté internationale n'ont pas payé. Et revirement de situation, ici nous voyons qu'ils ont fait marche arrière, ils ont été voir le chef de l'État et maintenant nous assistons au pardon de l'abbé Ntshole. Alors nous allons vous mettre ces images là où Abbé Ntshole est en train de demander pardon pour le comportement affligeant qu'ils ont donné au peuple congolais. Alors ici comme on dit, l'erreur est humaine mais la persévérance est diabolique et nous le félicitons en tout cas d'être revenu sur les pas parce qu'ici vous devez savoir que c'est une grandeur d'âme de pouvoir reconnaître ses erreurs. Alors je crois que comme l'abbé Ntshole a demandé pardon,
Je crois que nous devons, nous, en tant que Congolais, de lui pardonner. Mais si nous espérons que dans le futur, ils ne vont plus nous livrer le spectacle affligeant qu'ils nous ont livré durant plusieurs mois. Alors, awa to tielibino image à Benchole, Bolanda. Normalement, c'est le diable qui divise. Et là où la religion divise, c'est là où on veut mettre le diable à côté. Jésus, qui a dit « Heureux les artisans de paix », il dit en Jean 14, 27 que ce n'est pas la paix. Non, non, en Matthieu 10, 34 à 36, ce n'est pas la paix que je vous amène, mais l'épée. Une famille de cinq sera divisée, c'est contre trois. L'homme aura pour des ennemis dans sa propre maison. On le prendrait en contradiction quand il dit errer les artisans de paix, lui qu'on appelait prince de paix. Mais les choses deviennent claires quand il dit c'est ma paix que je vous donne en Jean 14, 27. Je ne vous la donne pas à la manière du monde. Donc, la paix de Dieu qui consolide la cohésion sociale, c'est la paix qui s'appuie sur la vérité, qui s'appuie sur l'amour, qui s'appuie sur la justice. Et je finirai mon propos en demandant pardon pour le spectacle de désolation que nous avons fait dans le cadre d'une certaine plateforme de confession religieuse. Voilà Bandeko, awa toleki directement na deuxième et dernier point d'Abisso. Vous savez que Willy Bakonga n'est toujours pas revenu à la prison de Makala Nengetoipsa Kibino, mais la chose que nous devons peut-être vous expliquer, c'est que c'est le procureur de la Gombe qui a permis qu'on puisse le libérer. C'est le procureur donc de la Gombe et non celui-là de Matete, comme on avait essayé de faire croire dans les médias, qui a signé l'arrêté. Et d'après les informations que nous avons eues, il n'avait pas qualité de pouvoir inscrire M. Willy Bakonga dans la grâce présidentielle qui permettait à celui-ci de recouvrer la liberté. Alors, une chose que nous devons dire, en tout cas les conseils que nous devons donner, je pense qu'aujourd'hui, dans le changement de mentalité auquel nous sommes en train d'aspirer, il aurait fallu que le procureur qui a permis qu'on puisse libérer M. Willy Bakonga, on puisse l'arrêter. Et que ce procureur-là, on puisse montrer dans toutes les chaînes de télévision comment on vient l'arrêter. Et je crois que si demain, nous pouvons voir ce procureur remplacer M. Willy Bakonga dans sa cellule, ça servirait de leçon et ça serait un signal fort pour tous les corrompus qui s'aviseraient encore de manipuler l'ordonnance présidentielle. Et donc, ici, vous savez, nous sommes en train, on nous a parlé par les médias occidentaux qu'ils allaient faire des révélations sur la corruption que le clan de M. Joseph Kabila a commis, mais les informations en notre possession, parce qu'il faut savoir que aujourd'hui, toutes les infos qui ont été données jusqu'ici par RFI, il n'y a rien de nouveau. Ce sont des informations et ce sont des enquêtes qui avaient déjà été faites par l'IGF et qui avaient déjà été dévoilées par l'IGF. Des entreprises chinoises ont-elles versé des pots de vin à l'ancien président congolais Joseph Kabila et à son premier cercle ? C'est la question que pose le nouveau volet de l'enquête Congo Hold Up, enquête internationale menée par 19 médias, dont RFI et 5 ONG. Alors que le forum sur la coopération sino-africaine s'ouvre à Dakar au Sénégal ce lundi, Congo Hold Up révèle les dessous de ce qu'on a appelé le contrat du siècle en République démocratique du Congo. 6 milliards de dollars de prêts pour des infrastructures contre des ressources minières. L'enquête révèle des noms d'intermédiaires et le montant de paiement de ce qui pourrait s'apparenter à des pots de vin. Les bénéficiaires, avec au moins 30 millions de dollars, l'ancien chef de l'État congolais et son premier cercle. Et au cœur de ce scandale d'État, Sonia Rollet, il y a une mystérieuse société, Congo Construction Company, et une institution très officielle, le Bureau de coordination et de suivi du programme sino-congolais dirigé depuis sa création par un très proche de Joseph Kabila. Il s'agit de Moïse Ekanga, Sonia. Oui.
Oui, effectivement. Alors, ce bureau était censé faciliter le contact entre les entreprises chinoises et l'administration congolaise dans le cadre de ce programme de plus de 6 milliards. Dans un rapport encore non publié auquel nous avons eu accès, l'initiative pour la transparence des industries extractives, l'ITE, a déjà dénoncé un préjudice historique pour l'État. Or, l'ITE a justement noté d'énormes carences dans le suivi. Un avenant secret qui changeait la répartition des bénéfices, les insuffisances de l'étude de faisabilité du projet minier qui ne permettait pas aux autorités congolaises de comprendre la valeur des réserves et l'absence de réalisation de toutes les infrastructures promises. Alors le pourquoi, on va le comprendre avec ce volet de l'enquête, puisqu'on découvre le nom de plusieurs intermédiaires, dont un consultant chinois, Douwei. Il se faisait appeler David au Congo et il avait créé une société Congo Construction Company qui n'a de construction que le nom, puisque c'est elle qui sert d'intermédiaire pour les paiements destinés au premier cercle de Joseph Kabila. Congo Construction Company a un actionnaire minoritaire congolais jusqu'en 2017, qui n'est autre que Guy Luando, l'actuel ministre de l'Aménagement du Territoire. Douwei ne nous a pas répondu et Guy Luando assure n'avoir rendu que des services juridiques à cette entreprise et n'avoir rien su de sa gestion. Alors justement, à quoi a servi Congo Construction Company ? Alors, d'abord, elle sert à rembourser 13 millions de dollars d'un prêt contracté par le Bureau de coordination du programme sino-congolais, officiellement dans le cadre de l'organisation du sommet de la francophonie de Kinshasa en 2012. Or, ces 13 millions ont été transférés par différents moyens à des sociétés du premier cercle de Joseph Kabila. Ensuite, Congo Construction Company a reçu 3 paiements en 2016 d'un montant total de 25 millions de dollars de la SICOMINE, la joint venture sino-congolaise, à des moments clés de son histoire, c'est-à-dire quand il y avait des blocages au Congo dans le développement de ce méga-projet minier. Et là encore, CCC vire des millions vers des sociétés de la famille de Joseph Kabila ou de son premier cercle. Alors, dans le projet minier SICOMINE, ce sont les deux mastodontes publics chinois, CREC et Power China, qui sont coactionnaires de la GECAMINE, la compagnie minière d'État. Mais on parle aussi de la curieuse acquisition en 2018 pour un montant de 40 millions de dollars d'un permis minier appartenant à une société liée au premier cercle de Joseph Kabila. D'abord via Congo Construction Company, puis par le géant minier chinois CEMOC. Enfin, cette enquête permet aussi de découvrir les dessous du juteux business des péages. Le principal bénéficiaire de celui de Kasumbalesa dans le Katanga était pendant au moins un an Zoé Kabila, le frère de l'ancien chef de l'État. Merci Sonia Relais. Je rappelle que ce nouveau volet de l'enquête Congo Hold Up est à retrouver sur le site internet de notre chaîne www.rfi.fr. Voilà Bandeko. Donc, émission na biso ezaki émission moko ya mukuse. Merci na binonyo surtout au Yobolanda Kibiso. À très bientôt. Oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, le 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 le, oh mame, le 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 le. Basala 18 ans, basale lo côté, baso senga, baso ngande lisuse, batika bafulu ebele na Congo, malakela Congo na biso mabe. Ba lo ba ki kongwe ko bongate Facha zi kongwa pesi ango la nzambe Boka sa kabinda yango ye sila Bokende universite ye sila Baso de mouton musala kitoko Bokende kisangani musala kitoko Kongo mobima musale zo salama Bala bango yo batangi yo fele
batili suse bango balo baki kongwe kobunga te fachali kongwa